Salut tout le monde, ça fait un moment que j'étais pas sorti, là c'est vraiment le printemps, ça y est, on y est, ça gazouille, les bourgeons, il y a des petites feuilles un petit peu partout dans la forêt. Aujourd'hui je pars pour 2 jours, quelque chose d'assez tranquille, il y a pas mal de nouvelles choses pour moi, disons, qu'il faut gérer, c'est-à-dire par exemple une blessure dont je vous ai pas encore parlé, qui me suit depuis juin l'année passée, sous la voûte plantaire. C'est une aponevrosite avec une micro-déchirure, donc c'est rien de très dangereux si on veut. Par contre, je dois faire bien gaffe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais à peu près 14-15 km aujourd'hui. Un bivouac à la belle étoile, feu, grillade. De nouveau, un peu, petit peu moins, une douzaine de kilomètres demain. Et puis surtout, ben, j'espère que ça ira avec mon pied. Je vais assez gentiment. Je teste pas mal de trucs, des nouveaux bâtons, un nouvel appareil photo en outdoor cette fois, un nouvel objectif, je vous en parlerai après. Enfin, pas mal de nouveaux trucs. Il fait grand beau ce week-end, pas de pluie, pas trop de vent, c'est vraiment la classe. Là, il fait 14 degrés, donc c'est très agréable. Je vais dormir à environ 1300 mètres. Et puis, ils annoncent 2 degrés à peu près pour cette nuit, donc ça ira, ce sera magnifique. Allez, on continue. C'est une zone qui est complètement retournée par les sangliers, mais vraiment assez sévèrement, quoi. C'est très intéressant. Ils sont vraiment, c'est très actif, hein. Ils grattent, ils fouillent partout. Il y a des baux, j'en en vois encore un, une zone là en bas, là. Voilà. Pas mal, hein, mon petit jardin. C'est vraiment un lieu qui est, mais c'est juste derrière chez moi. Ça veut dire, je pars à pied depuis la maison. Je fais un tout petit peu de marche, un petit peu dans le village, 20 minutes, et puis hop, je suis dans ce milieu-là. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes différentes publications, sur YouTube, etc. J'ai beaucoup de chance, je le sais. C'est un milieu très protégé. Là, maintenant, je suis dans une réserve naturelle. Mais après, je vais aller tout en haut sur la crête là-haut, bivouaquer. Et puis là, il n'y a pas de problème, en fait, de réserve naturelle. Il y a des places avec des foyers plus ou moins organisés. Puis on peut faire des feux, des grillades. Voilà. Ça reste quand même assez sauvage, c'est sympa. Il y aura peut-être du monde comme c'est samedi ensoleillé. On va voir. Là, j'ai pris la 7S3 aujourd'hui pour un peu tester. C'est lourd. C'est lourd. Je viens d'en parler dans une vidéo à Nico. Ce sac, il n'a pas... Nico, donc c'est Trek Attitude. Il n'a pas de rappel de charge. Ça veut dire que j'ai mon appareil photo qui est ici. Et du coup, j'ai tout le poids complet sur l'épaule au lieu qu'il y ait une reprise sur le haut du sac à dos. Donc, c'est pas top pour ça. C'est pas génial. Donc je trouve une autre solution, ou surtout un autre sac, je pense. Parce que ça fait quand même 1,4 kg là, hein, avec le micro et tout. Donc à la longue, c'est pas mal sur l'épaule, quoi.
Qu'est-ce que tu fais là, mon beau? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Le coin est absolument fabuleux ici, hein. C'est vraiment magnifique. J'ai trouvé un coin incroyable et en fait, il me revient des souvenirs. Il y a très très longtemps, de la période de l'apprentissage, je suis déjà venu ici en fait dans la zone. Et c'est plein de coins tout sympas. Là en bas, il y a une possibilité de faire quelque chose. Vraiment, c'est très bien. Il y a du bois, c'est beau, c'est ouvert, c'est vraiment extra. Et par contre, alors il y a du monde. On voit en fait toutes ces traces ici. C'est vraiment très fréquenté. Tout est labouré partout. Hein. On sent que il y a des sangliers, des blaireaux. Enfin, voilà, il y a du monde. On voit bien hein, toutes les traces où c'est retourné. Moi, je pense que je vais m'établir par ici. Il y a bien assez de quoi faire. Voilà, maintenant je vais donc me mettre à la recherche du bois, faire le campement, préparer tout ça. Et puis, ce sera assez simple. Pas de tente à monter aujourd'hui. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Un bon petit bivouac à l'ancienne. Et puis, allez, au boulot. J'ai deux, trois choses aussi à vous montrer. Des nouveautés, des petits trucs. Que je vais partager avec vous. Quelques brindilles et puis ça va démarrer du feu de Dieu comme on dit ici. Vous voyez que j'ai fait un beau foyer vraiment assez haut avec des beaux cailloux. Alors ici il en manque pas parce qu'on est vraiment dans un milieu donc c'est le Jura donc c'est des dalles calcaires c'est très là je suis vraiment sur un pierrier en fait qui est recouvert par de l'humus. Il y a pas mal de trous, faut faire gaffe d'ailleurs de nuit si on va pisser un coup comme ça. Mais donc c'est très facile à trouver des cailloux, il n'y a pas de problème. Pour bien protéger, ensuite j'ai bien gratté jusqu'à la terre et puis comme ça demain je pourrai remettre toutes les feuilles, on ne verra plus rien. En tout cas ça bouge bien ici, il y a beaucoup d'animaux. J'entends dans tous les coins des animaux qui vont à gauche, à droite. C'est assez chouette. J'ai choisi cet endroit parce que ben, il y a à la fois un siège ici,
contre lequel je vais pouvoir m'appuyer. Le feu est tout bien là. Il y a ensuite un réflecteur naturel, ce grand caillou là. J'ai pas mis trop près pour pas embêter la mousse qui est là. Je pourrais même encore protéger un peu. Je crois que je vais mettre des cailloux encore ici, plus haut, pour couper un peu cette flamme, pas que ça chauffe trop là-bas. Et puis je vais dormir ici. Alors il y a une grosse falaise en dessus, ça veut dire que il y a quand même des chutes de cailloux, hein. Tous ces cailloux que l'on voit ici en bas, c'est des chutes de la falaise qui est en dessus. Du coup, voilà, je suis un peu abrité derrière ces arbres, ça ira bien, pas trop de soucis. Il y a celui-là aussi qui est dangereux, c'est un arbre mort, mais je risque pas grand-chose, il n'y a pas de vent ce soir, donc pas de soucis. Du bois sec et mort à profusion, donc c'est vraiment le grand luxe. Bref, le paradis. Le sud est là, plein sud, donc j'aurai pas tout de suite le soleil, mais il va venir pas trop tard non plus. Là il est déjà 8h, donc il faut que j'active un petit peu. La première chose que j'aimerais vous montrer, que j'ai pris avec moi, c'est un objectif. Voilà, maintenant je me trimballe avec des objectifs en plus, donc c'est plus très ultra light. Cet objectif, c'est un objectif anamorphique, c'est une toute nouvelle sortie de Sirui qui a fait un 24, un 50 mm et un 35 mm. C'est des objectifs assez spéciaux qui permettent, si on veut, d'avoir un rendu, une image très étirée, plus grande que le 16:9, vraiment comme le cinéma, hein, que c'est vraiment très très large, mais en utilisant toute la surface du capteur, en fait, plutôt que de rajouter des bandes noires en haut en bas pour donner une impression que c'est très large, ça va vraiment utiliser tout le capteur et puis ensuite on va retirer ça au montage. Donc c'est assez spécial, normalement dans le monde du cinéma, c'est là où c'est le plus utilisé. C'est des objectifs, ça part à partir de 4 000 €, hein, il n'y a pas en dessous. Puis en général, ceux qui sont utilisés sur les Arri ou les Red ou des choses comme ça, vraiment pour les grosses productions cinéma, c'est des objectifs à 40 000-50 000 €, des prix comme ça. Sirui vient de faire une sortie pour quelque chose qui est un peu moins de 1 000 €, donc ça donne des possibilités à des gens comme moi. Alors c'est, bien sûr, c'est un investissement, ça reste un investissement, mais d'avoir des outils et de pouvoir goûter à ça et puis de créer des choses sympas. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce rendu qui est moins acéré, qui est beau parce qu'il a des imperfections. Je ne parle pas vraiment du flare, hein, ces espèces d'aberration, de réflexion quand le soleil ou la lumière rentre dans l'objectif. Ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est plutôt la douceur, la rondeur en fait, de l'image et puis le fait qu'elle ne soit pas absolument acérée. Et puis ben, le format, hein, qui donne une autre ambiance. Ce que je vous propose, c'est une petite immersion tout de suite.
Je vous ai parlé de ma blessure sous le pied. C'est en fait le tendon, c'est une énorme bande qui passe sous le pied. C'est un truc très courant quand après une énorme randonnée, vous avez mal sous le pied. Ça, comme ça tendait, en fait, on a de la peine à poser le pied comme ça. Et ben c'est ce tendon qui a été mis à très rude épreuve. Il y a deux choses sous le pied. Il y a le tendon d'Achille qui vient se loger en fait sous le talon. Et puis depuis le talon, il y a aussi la ponévrose qui vient qui part depuis le talon en fait et puis qui va vers relier les orteils. Et voilà, moi j'ai ce problème, donc je dois faire des étirements, ça c'est une première chose. Et puis il y a ces fameuses petites balles de massage. Alors c'est utilisé dans le yoga et tout, etc. Moi je l'avais vu en randonnée chez Darwin on the Trail, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. J'étais allé voir, bon lui il prenait chez une marque qui coûte les yeux de la tête. Là j'ai trouvé vraiment un truc pas cher, je pourrais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Puis c'est sympa parce que j'ai une grande, une moyenne, une petite, ça c'est la petite. Puis la moyenne elle fait 17 grammes, puis ça je crois que ça fait 10 grammes ou 9 grammes quoi. Donc c'est tout petit, c'est vraiment très léger, c'est quelque chose que je prendrai cet été. Puis ça permet de se mettre debout puis de la faire rouler sous le pied assez fort, ça fait mal hein, ça fait mal, mais c'est comme ces rouleaux en fait de massage pour les cuisses ou compagnie. Voilà, on peut faire le dos aussi, mais il faudrait une plus grande, mais moi c'est vraiment pour la plante des pieds que ça m'intéresse. Donc petit massage à l'arrivée le soir, au démarrage le matin pour un petit peu casser tous ces nœuds hein, de dureté dans les ligaments, dans les muscles, et puis pour assouplir un peu le tendon avant de repartir. Voilà ce que je vais utiliser. C'est du liège. Bon, j'imagine que dedans il y a une balle en plastique, j'imagine. Hein, voilà, c'est pas du liège plein, sinon ce serait trop lourd. Et puis ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, je pense que ça peut bien m'aider. Une zone très intéressante. Ensuite je vais essayer de passer au bout de la falaise là-bas pour rejoindre un autre chemin, mais il n'y a en tout cas pas de passage balisé. Je ne sais pas si c'est possible vu les rochers en fait. On va voir. Ben, c'est pas si évident que ça. J'ai de la peine à trouver un passage là-bas. C'est très abrupt déjà. Hein. Il y a une grosse pente. Et puis il y a de la falaise partout. Et puis, c'est quand même assez haut. Hein. Je vais continuer, descendre là dans la forêt. Essayer de voir plus bas si je trouve quelque chose. Il faut vraiment que je puisse partir à gauche, passer cette crête, parce que là en dessous il y a vraiment une falaise, donc du coup à un certain moment je vais être coincé. Très étrange dans ce milieu là de trouver une trace humaine. Vous voyez, il y a un cairn sur le caillou là. Qui c'est qui a fait ça là et pourquoi? Il y a un trésor là-dessous quoi. Alors j'ai gratté quand même dedans, j'ai enlevé beaucoup de feuilles mais rien trouvé. Bon,
j'ai réussi quand même à passer. Là, il y avait un petit passage. C'était pas très haut, 5 mètres à peu près. Donc je suis sur la fin de la crête. Je suis sur la fin de la crête. Il y a encore un bout de crête plus loin, en fait. Donc il faut que j'aille là-dedans et retrouver mon chemin. Cheminement assez compliqué là-dedans. Ça se dérobe tout le temps sous les pieds, hein. Ça glisse dans les paquets de feuilles avec de la caillasse. C'est pas évident, mais c'est intéressant, c'est beau, c'est sauvage. J'essaie de suivre un peu les sentes de chamois pour m'aider à la tâche. On voit, hein, ici par exemple, il y a une petite sente qui fait comme ça. Ouf! Bon, je suis enfin arrivé sur le sentier. C'était vraiment pas évident, hein, là-dedans. C'est de la boue de cailloux, en fait, qui se dérobe sous les pieds. Waouh, costaud. Ok, je reprends le sentier. On continue, on rentre à la maison. Là, on entend les voitures. C'est la route plus bas dans la vallée. Le son monte. Voilà, j'habite là en bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, une petite sortie, que ça vous a aéré un petit peu pour ceux qui ne pouvaient pas aller dehors. Je vais gentiment rentrer chez moi, monter la vidéo, ça fait partie de mon quotidien. Et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager mes vidéos, celles qui vous plaisent bien sûr. Ça soutient bien la chaîne sur vos réseaux. Si vous avez quelque chose que vous trouvez sympa, n'hésitez pas, ça me soutient bien. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, bye bye.